Là, on est à 2000 mètres d'altitude, alors pour atteindre le col, là, avec les canons, il n'y avait pas de souci. L'ennemi n'avait pas trop le choix que de passer dans cette vallée s'il voulait envahir l'Italie. Et on a la frontière autrichienne juste à gauche. Allez, on continue. Et on devrait avoir une autre batterie de canon juste à côté. Alors ici, il y avait du stockage, hein, visiblement. S'il y a des canons, il y a forcément du stockage à côté. Ici, c'est pareil. Je pense qu'on va retrouver un autre emplacement pour canon. Là, on peut s'apercevoir que ce créneau est vraiment immense. Impressionnant. Il sort vraiment de la montagne. Sommet qui est pas si haut finalement, une centaine de mètres. Ces canons n'auront sûrement jamais été utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale, sauf peut-être pour des manœuvres d'entraînement. Les Alliés ont soigneusement évité ce secteur compliqué jusqu'en 1945. En réalité, les canons ont même sûrement disparu dès 1943. En effet, à cette période, l'Italie implose avec un Mussolini en difficulté. Après le débarquement allié en Sicile, les opposants au régime, le gouvernement du Royaume d'Italie du maréchal Badoglio négocie secrètement un armistice avec les forces alliées commandées par le général Eisenhower. Dès lors, la Wehrmacht prend le contrôle d'une grande partie de la péninsule et démantèle les ouvrages sous son contrôle. Les canons du Opéra numéro 10 ont sans doute alimenté la machine de guerre allemande. Allez, on continue pour aller vers le fond du fort. Alors, on a manqué quelques canons en prenant tout à l'heure l'autre couloir. Mais comme on reviendra par le couloir de droite, après, on va revoir ces fameux créneaux pour canons. Ils nous disent où est la sortie. C'est vrai qu'on peut vite se perdre. Moi j'ai un plan, je triche un peu. Mais. Ce labyrinthe de béton. Incroyable ce qu'ils ont pu construire sous terre là. À 2000 mètres d'altitude. Là, les ouvriers, ça devait être quelque chose. Il fait très chaud dehors et forcément il y a de la condensation à l'intérieur. On voit.
Ouais, c'est marrant, ça. Ces cheminements là pour les câbles qui faisaient le contour des portes. Attends, là on peut passer par là. Attends, on a un tunnel là. Attention, ça consomme. Je crois que c'est le tunnel d'évacuation de secours. Parce que l'escalier est vraiment interminable. C'est que tout ça, il va falloir le remonter. Hein. Je peux même pas dire, je vais vite, j'accélère, ça glisse tellement. La construction des ouvrages n'est pas passée inaperçue du côté allemand. Une délégation de la Wehrmacht a été autorisée à visiter les installations à la frontière avec la France. Mais la demande de visiter les chantiers du Tyrol du Sud a été rejetée. La méfiance des Italiens était trop grande. Il y avait de bonnes raisons à cela. Certains cadres du parti nazi revendiquaient la propriété de ce territoire et un mouvement local d'opposition s'était formé pour militer et rejoindre le Grand Reich. Malgré les déclarations d'Hitler assurant que le Tyrol du Sud resterait bien italien, les travaux du Vallo Alpino continuaient. Finalement, face aux protestations allemandes, Mussolini cède officiellement le 4 octobre 1942 et tous les travaux sont stoppés. Seules quelques réalisations de camouflage sont terminées. Plus de 350 ouvrages d'infanterie ou d'artillerie ont été construits dans le Tyrol du Sud. L'ouvrage Opéra numéro 10, couvrant le col du Monte Croce di Comelico, est sans doute le plus spectaculaire d'entre eux. Ça y est, on y est enfin. Non, c'est pas possible, ça c'est pas sur ma carte. Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais. On dirait des postes de mitrailleuse. On doit être sur les postes de mitrailleuse alors. Ici on a l'écoulement de l'eau. Ici ça devait être pour laisser tomber les douilles vides. Attends, on va prendre à gauche là. Je pense que ça doit être un autre poste de mitrailleuse. Le créneau est différent là. Thank you.
une série de pièces. Attention, c'est très profond, hein. C'est très arrivé d'eau là. Et là, tu vois, tu avais une sortie qui est bouchée. On doit sûrement sortir de la montagne là. Et ouais, ce créneau, il est bien bouché. On voit que c'est bien bouché, tu vois. Donc il y avait un autre accès au fort par ici, et c'est bouché. Pareil, il y a des latrines. Du coup, on n'a plus qu'à remonter nos 200 marches, je sais pas combien. Plus c'est vertigineux. T'as vu un fil d'Ariane? Tu le vois le fil? Quelqu'un qui a eu peur de se perdre ici. J'ai commencé à courir, mais je fais pas le malin longtemps là. En plus, il est raide, mais il est à fond. Alors, il fait 12 degrés, mais alors les escaliers sont en train de me réchauffer, quelque chose de bien. Je fais une crise cardiaque en haut. C'est quoi? J'ai bientôt plus de batterie. Bah, j'espère que t'en as encore. Non mais la norme, c'est 20 cm une marche. Ah ils ont fait 30 quoi. Trop vieux pour ces conneries. On y est pas encore. Hein. J'aurais dû compter les marches. Je crois qu'on y est. Ouais. Yes. Ouh.
Clamsay. Allez, pause. Fais une petite pause. Allez, après cette petite pause, on continue. C'est parti. Alors maintenant, on arrive vraiment au fond du fort. C'est légèrement en pente, là. Qu'est-ce qu'on a, là? Alors on repart dans les chambres annexes. Ok, je sais où on est alors. Je m'y suis retrouvé. Donc ma carte, je crois qu'elle n'est pas très juste. Là on reprend à gauche et à droite, on a une cage d'escalier qui mène au niveau supérieur. On va voir l'observatoire par là-bas normalement. Ok, là on a la cage d'escalier, viens. On y est presque. Ah, elle est cassée celle-là. D'accord. T'as vu, elle était en bois. Elle est d'époque, non? C'est pas très haut. Bon, on va pas se casser une jambe quand même. Allez. On va aller voir s'il y a un autre accès là-bas. Donc là, on est là. Et ici, il devrait y avoir un créneau pour canon. Toi, je vois de la lumière là-bas au bout. Encore une niche de stockage, peut-être pour les obus. Encore un couloir. Ah, si t'as pas de carte ici, oh, tu peux vite tourner en rond. Ah ouais. Là, on est vraiment au bout du fort. Là, on a vraiment l'Autriche vers là-bas. On est vraiment à flanc de montagne. Hein. Là, on avait aussi un canon. Il devrait y en avoir un deuxième pas très loin. Ah ouais, donc là il y a le niveau inférieur, cage d'escalier complètement détruite, à part si t'es un kamikaze et que tu veux marcher sur les petites barres en acier là, non, dommage, mais en bas qu'est-ce qu'on avait? En bas on avait un poste, ah il y avait le poste d'observation, j'ai l'impression. Dommage.
T'en étais là. Ici, ça va être le couloir principal. Ici, on n'est pas allé. Ouais. Là, on a le deuxième canon qui était là. Le deuxième du bout du fort, on va dire. Parce qu'en tout, il y en a 6. Pareil, direction l'Autriche. Bon bah voilà, on commence à revenir dans l'autre sens. Et après, on va prendre l'autre couloir pour le retour. Où on a manqué 2 batteries de canon. 2 emplacements et puis un observatoire. On va aller voir ça. Ça, c'est le grand escalier. On se le refait ? Non. Non. Mauvaise blague. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'OTAN récupère et achève les travaux de certains ouvrages du Valo-Alpino. Et sont restés prêts au combat jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique au début des années 90. Non, non, c'est par là. Attends, c'était là. Là, on a le canon. Je te dis pas comment ça devait résonner là-dedans quand il y avait un coup de canon. On était passé avant ici. Et par là, on n'était pas encore passé par ce couloir. Ici, c'est un simple emplacement de canon, sans caponnière sur le côté, contrairement aux autres. Celui-là, c'est le dernier emplacement qu'on n'a pas encore vu. C'était le dernier emplacement de canon. Genre de Judas. Là, on peut monter à l'observatoire, le deuxième.
semble plutôt un axe pour mitrailleuse ici. Je me suis peut-être trompé au niveau de ma carte. Ça ne finit jamais en fait. Chidon, ça c'est. Ah, on nous veut tout un complexe là. Ça, c'est une mitrailleuse. C'est encore un emplacement pour mitrailleuse, on dirait. Je regarde ma petite carte, mais là, je suis un peu paumé. Je sais où est la sortie, mais. J'aurais dû mettre la montre pour voir combien de kilomètres on a fait ici. Ah ouais, donc ça c'est mitrailleuse. Ouais, ça y est, je sais où on est. On est à l'étage inférieur, bon ça c'était facile à comprendre, avec l'escalier, mais on est tout près de la sortie, ou de l'entrée en fait. Tu sais, au niveau de l'entrée principale, il y a l'entrée du bas, on va ressortir par là. Et là voilà, je pense qu'on remonte ici. On a le dernier emplacement pour mitrailleuse. Ah, c'est ça, il est cuirassé là, tu vois. Ah, ils l'ont refermé là, tu vois. Je sais pas si on le verra de l'extérieur. À nous, plus qu'à ressortir et retrouver notre chemin. Faire attention de mettre les pieds.
On va tenter par là, sinon on fera le tour par là. Ah, je vois des toilettes, des latrines, donc c'est qu'on est près de la sortie inférieure. Là. Manque de bol, c'est fermé. Bon, bah voilà. On va repasser par l'escalier qu'on a vu tout à l'heure. On va rejoindre le couloir principal par là. Pas loin de l'entrée. Et comme dans l'autre couloir, tu vois, on a à chaque fois ces petites pièces. Le casernement. Et nous, on était passé par là tout à l'heure. Cette fameuse porte. S'il y a quelqu'un, c'est pas cool quand même. On l'avait trouvée ouverte, on l'a laissée ouverte. Allez, c'est parti, on ressort. J'espère que cette immersion dans ce opéra numéro 10 vous a permis d'en savoir un peu plus sur le Valo Alpino. Pour ce reportage, j'ai volontairement pas trop coupé de scène parce que je voulais restituer une expérience complète pour que vous puissiez bien vous rendre compte de l'immensité des lieux. Avec Baptiste, on a vraiment été impressionné par cet ouvrage comme ça perché à 2000 mètres avec ce paysage magnifique. Je suis juste un peu déçu parce que j'avais vraiment envie de voir ce qu'il y avait après ces escaliers en colimaçon. Mais bon, c'était quand même un peu chaud et il faut savoir aussi reculer pour revenir en un seul morceau. Voilà, laissez un petit commentaire ou une question, ça aide forcément Bunker Memory pour le référencement et surtout abonnez-vous en activant les notifications si c'est pas encore fait. Allez, ciao, à presto.